Hello tout le monde, vous êtes bien sur la chaîne de Dargot. Et aujourd'hui, on se retrouve sur Echo of the Soul. Echo of Soul. Et là, je vais rentrer dans l'instance. Et ça, je voulais vous le montrer tout simplement. Tant qu'on va pénétrer dans l'instance, bien sûr, l'instance solo. Donc, espérons que ça soit simple, mais quand même bien. Pas un truc trop simple non plus. Hein, parce que quand c'est trop simple, on fait un tout droit. C'est pas super. Donc on va découvrir ça ensemble. Donc là c'est la toute première instance que je viens de voir. Niveau recommandé 12, je suis 12. Voilà, c'est parti. Et en plus il y a un chronomètre. Hop, quête de donjon, on prend. Parti, mon kiki. Est-ce qu'on a la map? Oui, on a la map. Alors c'est comme un bourrin. Pas un arc pour rien. Quand même ils font mal les cons. Hein. Voilà. On prend tout. Est-ce que je vais claquer une popo? Je peux claquer une popo. On remet un peu plus de vie. Ça, ok. 3 PV chaque seconde, c'est pas énorme. Hein. Alors j'espère que ça repop pas quand même. Voilà, le truc chiant quand même avec le guerrier que j'ai, c'est que j'ai pas de. Hop, on enchaîne direct, pom, pom. Voilà. Hop, on délivre les gens. Hop. Donc l'instant quand même ça va, ça c'est. Je perds de la vie, hein. Pas comme tout à l'heure où j'enchaînais les mobs. Allez. Non mais pisse quoi. Une heure de réactivité, ça c'est moi qui suis craché. Je m'attendais pas à lui parce que j'en ai vu deux devant. Alors je sais pas ce qu'il a branlé derrière moi. J'avoue que je m'y attendais pas. Donc je suis troué. J'étais éclaté. Voilà. Ça c'est fait. Oui, je vais te délivrer. Panique pas. Panique pas. Voilà. On va passer par là. Alors ça c'est des mini zones quoi, on va dire. Ça sert pas à grand chose, voilà. Traverse tout simplement. Oui, je vais pointer dessus, attention. Voilà. Sans âme obtenue? Comment ça sans? Bien sûr. Voilà, ça je t'ai défoncé. Alors j'espère qu'il repop pas. Mes pierres d'âme sont là. C'est pas celle-là. C'est quoi je confonds? C'est celle-là. Ouais, 10. Purifié. Ah merde. Ok, d'accord. Bon. Ok, j'ai rien dit. Voilà, ça c'est fait. Donc on est en instance, on peut pas purifier. Ok. Intéressant. On voit les deux. On est des fous. J'accroupis dans tous les sens. Et je suis dead. Première mort. Alors comment ça se passe quand on est mort?
qu'on m'explique. Donc mon corps est là. Cadavre de Dargoth, oui. À moins qu'il faut. Réanimation et mort. Indisponible lorsque vous êtes mort. Ouais, je fais comment? Alors, réanimation de personnage. Via la fenêtre de réanimation, en cliquant sur réanimation à proximité, le personnage sera réanimé. Ok, réanimé. Réanimé, c'est marqué U. Ah, c'est pas ça. Alors. Ah, bah c'est. Pff, c'est juste là. C'est juste à côté! On va chercher loin quand tout est. Hein. On va hors combat, on met le brandage. J'ai hâte d'utiliser mon. Ça, j'y pense pas par contre à l'utiliser. En tout cas, les mobs ils ont pas arrêté de repop quoi. À chaque fois, j'ai ça gros de partout. Mais par contre, j'ai aucun coup à distance quoi. J'ai pas un coup à l'arc pour pull à distance. Donc, ça, c'est un peu chiant. J'espère que ceux qui sont morts resteront morts. Voilà, ça, bah, ça a l'air d'être. Ouais. Ça va être bon. Alors, toi, vengeance, bien sûr. Hop, voilà. On en profite, on va tout marave, hein, parce que là je suis assez vénère. Alors attendez, avant, on va prendre un petit œuf, bien sûr. Et on va s'énerver un petit peu. Hop. Là c'est stylé là, la roulette quand même. Faut bien débloquer un boss. Vite. Ça, vite. Les boules. Dégage. Pouh, c'est chaud. Jambière, berserker, c'est pour moi ça. On va les mettre, je crois qu'elles sont largement mieux. Alors, on va voir ça. Dev PV. Ah oui, bien. Ah oui, oui, oui. Je veux. Alors là, il me faut un caillou sur les jambes. Et voilà. Et on l'équipe. Alors la gueule que ça avant après. Ok, ouais, en cil c'est pas ce moyen, mais au glacé okay. On va essayer hein, c'est pas dit que ah bah juste et là j'ai le verre d'eau, tiens-moi un coup mon garçon. Oh, j'ai acheté en pleine gueule. Mais c'est quoi? C'est quoi ces façons? Alors. Putain, il y en a des 4 là. 4 donjons. Mais à moi tout seul, je suis prêt à tuer. Comment ça, non? Tout de suite, tu me la donnes, hein, s'il te plaît. Merci. T'as avec ta petite plume sur le crâne. Allez. En plus, je suis à fond. Tac. Voilà. À moi les trésors. Moult fortune est à moi. Potion magique. C'est tout.
C'est pas du foutage de gueule dans l'air. Ok. Ok, ça c'est bien foutu, hein. Ça. En tout cas, le donjon solo. Voilà, on va passer par là. Ah, attendez. Je crois que j'étais un peu trop vite. Je crois qu'il fallait que je tue la meuf serpent qui était là. 6. Naga inconscient. Bah, j'ai déjà aiguillé, qu'est-ce que tu prends? Ah, et j'ai rien pour le prouver. Ok, d'accord, bah faites pas la même connerie que moi parce que sinon on va se retrouver bloqué. Normalement ça aura dû me la valider. Parce que là elle est morte. Hein. J'étais pas au courant qu'il fallait d'abord voir ce pignouf. On va lui parler, on sait-on jamais, mais. Que fais-je ici? Bah tu dois valider ma quête, abruti. Tuer. Bah. Ouais. Bon bah ça je crois qu'il faudra que je le refasse. Carrément. Bon c'est pas grave, on va continuer. Je le ferai une autre fois tout seul. Hein. Bon. Ici il y a quoi? Il y a des piafs. Et les piafs, qu'est-ce qu'on en fait? On les tue. Par contre il a pas d'œil pour un zerk. Je peux faire vos combats. C'est qui ça? Oh oh. Toi qui ose bafouer l'Empire. C'est un boss, j'active tout. Pas bon, on se casse. Ah, il m'a tout shot. Alors, je m'y attendais pas, j'ai un peu mongolisé. Donne-moi de l'eau glacée, merci. On va un peu vendre. La boutique, il y a quoi de beau? C'est un passage mort, ok. Ça, on vend. Pourquoi je peux le vendre? Et fufut. Ça sert à quoi ça déjà? Ah, ça peut servir. CP. Attendez. Allô? Oui. Alors. Ah non, mais un parchemin fait pour ça. Je suis bête. Allez, où? Extracteur de joyaux. J'en prends un. Par contre, je vais me réparer tous mes objets. 15 plus d'argent pour fermer, bien sûr. Ça. Oui, pour fermer. Voilà, ça, maintenant. Je vais reparler à toi, ainsi de suite. Hein. Et là, je peux faire ça, la magie. Voilà. Ça, hop, je la fous là. Et c'est reparti les amis. Donc j'avoue que le boss les m'a séché assez méchamment. Donc on va y retourner pour se venger. Non, voilà, ça c'est au moins c'est une bonne instance solo quoi, franchement. C'est assez costaud. On a une chance de vaincre les ennemis, hein, ils sont pas imbattables. Ça fait vraiment plaisir. Toi, attends. Tiens. Non, je veux pas. Ok.
fais pas la connerie, allez d'abord parler Spinouf avant de tuer la naga. Sinon ça va faire comme moi, c'est Nikkei. 14 minutes que je suis dedans. Toi, vengeance, bien sûr. Fou. Mais non, je t'endors. Bah, courons. Il est top outil. Faut que je regagne de la vie. Non. Aïe 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 aïe. On peut boire en même temps. Par contre, ça me remet que dans l'envie, hein. Sauce. Non, ce côté. Bien sûr. Oh là là, il va me défoncer. Vite, vite, vite. Mais c'est... Qu'est-ce qu'il y a ? Incroyable, il m'a tout shoot. Oh allez. Ça aurait été peut-être plus simple si je serais mis en tank, hein, je vous le dis moi. Mais en tout cas il fait trop mal. Attendez, j'ai pas de la bouffe plus puissante que des œufs. En tout cas j'en ai plus, je vais prendre un steak. Plus d'œufs, moi je m'en fous. Et des potions, mais sérieux, mais ça y est, le que dalle ça. Eu de 1, eu de 3. Incroyable. Bon, allez, on retente. Refais-le, moi-le. Ah, il est juste 40 PV. Non, mais pisse-le. Voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse. Pas toutes les 5 secondes. Oh putain. Contre-attaque. Putain. Pff, la vache. Voilà, je dis que j'allais réussir, les amis. Petite musique, tu vois. Un petit bandage. Ah oui, un petit soin. Nouvelle armure. En plus, je me mets une pierre dedans. Nickel. Je peux le faire. Je peux. Jambes, non. Buste, oui. Voilà, et j'espère que c'est bien stylé. Attention. Ouais, ça va. Ça va. Ça, j'aime bien. Ça fait un peu plus barbare. Voilà, hop. Alors on va finir les cliquettes. Attendez. On va se re-soigner, hein, soyons pas fous. Voilà. Dégage. Et voilà. Oh, il est là.
bien sûr, tu l'as naga, je l'ai dans le fion. Ça s'appelle la vie. Donc faudra que je refasse l'instance pour tuer la naga. Mais quand même ça loot bien quand même, donc peut-être y retourner. Pour voir si ça a toujours les mêmes loot qu'on ramasse. Si c'est, on peut, si c'est aléatoire. Puis aussi peut-être pourquoi pas les revendre à un bon prix. Donc c'est une belle petite instance solo franchement. En tout cas je me suis pas ennuyé, c'était vraiment sympa, c'est vraiment sympa. Donc à mon avis il y a des instances solo de groupe. En tout cas pas d'instance solo, c'est la première fois que je joue une aussi bien quoi. C'est vraiment c'est. Ça commence vraiment avec une technique, vous voyez, c'est pas. Là au début j'ai fait le bourrin. Trop l'habitude de jouer à des MMO. Où t'arrives, tu bâches et tu claques tout, qu'on va dire. Et que là, ça va, il y a tout seul et un minimum de technique. Donc, royal quoi. Donc, on va aller valider les cases ensemble et on va arrêter là la vidéo. Je pense. Bah, c'était juste l'instance pour vous montrer quoi. Mais vraiment, vraiment. Hâte de faire des instances en multi. Parce qu'à mon avis, en multi, ça va être beaucoup plus fort. Ah! Attendez, le loup que je cherchais tout à l'heure, il est là. Il a l'air costaud. Je sais pas si ça marche pour moi. Et c'est la tristesse. Ça ne m'a pas validé. Ah si, le loup noir et reste quoi pour terminer la quête. Ok d'accord, sympa. Il fallait juste que je le touche. Putain, je suis arrivé à pile poil, hein, vraiment, coup de chance. Quête 3. Terminer la quête. Bah, ouais, je vais bien. Moi. On fait comment? Non, c'est pas grave, hop, on va aller valider ça. Des petits lags de famille. Oula, c'est la goutte, pourquoi? Ça lag pas depuis tout à l'heure. Ah, désolé. Bon. Toi, on finit. Hop. Au revoir. En tout cas, c'est un peu relou. Ah bah voilà, ça le fait plus. C'est bizarre que des fois ça. Je sais pas si depuis que j'y joue ça me l'avait jamais fait. Et là, comme par hasard, j'enregistre, bien sûr, il fallait que je fasse. Et bien sûr, niveau 13, GG, merci. Les gants dans ma poche. Voilà. Alors, les gants. J'ai les gants en métal. Ah, ben voilà, ça commence à. Commence à porter ses fruits. Allez, on finit la quête du loup pour voir ce qu'on gagne, un truc intéressant quand même, parce que c'était un loup qui était assez balèze. En tout cas, apparemment, tout seul, j'aurais pas pu le péter. Hein. Enfin, vraiment, c'était marqué en cop. Il fallait vraiment y être, quoi. Vraiment. En tout cas, j'ai eu, avec ma chance, légendaire. Mais où le truc pour valider? En tout cas, c'est pas grave. Je me fous dans un coin pour finir la vidéo. Voilà. Bon, hein, pas comme ça parce que ça fait un peu con. Donc ouais, les gens, j'espère que cet épisode vous aura plu. Alors, je sais pas si j'en ferai d'autres. Hein. Là, c'est pour vous montrer un petit peu l'instance. Ou quoique, si ça vous plaît, franchement, je vous montrerai le PVP. Comment ça se déroule. Voilà. Comment ça marche. Donc voilà les amis, donc je vous remercie. Continuez à me suivre, ça me fait super plaisir. Et likez la vidéo si ça vous plaît.
Et n'oubliez pas de vous inscrire sur mon Facebook pour suivre mes petites vidéos. Voilà, donc je vous laisse et je vous dis à plus tard les amis. Allez, bye.